dans le ventre. Pendant 9 mois, tu demandes une vérité. Il te dit que pas, elle ne part pas. Elle dit qu'elle ne part pas. Mais tu sais ce qu'elle dit? Oui, c'est ça. Elle est où? Tu es où? Elle est où? Sors, tu es où? Tu es où? Tu oses demander que nous mettons. Là voilà. La voici. La voici. Ma fille. Sors. Bonsoir. Il n'y a pas de bonsoir, ma femme. Sors. Il n'y a pas de problème, sors! Chérie, c'est comment? Explique-moi! M'appelle pas chérie. Je ne m'appelle plus chérie. Voici ma mère. Tu penses que c'est normal ce que tu fais? Tu confisques le seul enfant d'une femme. Tu dis que il te dit qu'il ne te veut pas. Sors, tu pars. Mais tu es partie de ses pieds. Est-ce qu'il y a un problème? Ma fille dehors. Voilà donc ma mère. Tu as dit que personne ne peut t'enlever. Personne ne peut m'enlever si tu as quelque chose. Mais j'ai parlé de ça à quel moment? Tu n'as pas parlé de ça. J'ai dit ça où? Baba, dis-moi pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que tu dois partir. Il n'y a plus que au coin. Il n'y a plus que au coin. Maintenant, c'est chéri. Je ne suis pas ton chéri. Maman, une catastrophe comme ça, hein, maman? Ne la regarde pas dans les yeux, maman. Ne la regarde pas dans les yeux. C'est pas que tu vois là. Quand tu vois là, elle va t'hypnotiser. Ne la regarde pas dans les yeux. Sors. Tu as bu? Qui a bu? Chérie, tu vas bien? Maman demande-lui de partir. Non, maman, on n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. On a les problèmes. Le problème, c'est que. Non, mais je vais chercher pourquoi. Voilà. Je suis de partir, je ne comprends pas. Je suis donc allé là chercher pourquoi s'il n'y a pas de problème. Explique-moi, s'il te plaît. Maman ne reste pas debout. Prends place, quelques minutes. Elle n'est pas venue s'asseoir, c'est que tu sors. Tu sors. Sors, le verbe sort. J'ai compris, mais maman est. Prends place, pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est pas quelques minutes, hein. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu veux lui expliquer quoi? Tu veux l'hypnotiser? Tu veux lui expliquer quoi? Zizi, sors. C'est ma mère, j'entends bien, c'est ma mère. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère. Tu veux quitter l'amour avant pour venir confisquer l'enfant. Les gens te disent pas, tu ne veux pas partir. Mais c'est l'amour, je t'aime. Je me sens bien avec toi. Maman, dis-lui de partir, moi je ne parle plus avec elle. Assieds-toi. J'ai compris, maman, mais prends place. Une minute seulement. Assieds-toi un peu. Je t'explique un peu rapidement, et puis on verra. Ne t'assois pas, maman. Laisse que tu sors. Ouais. Maman, tu vas bien? Tu es belle, hein? Ok, chérie, c'est comme maman valise, comment? Ok. Maman, sors. Et tu peux soulever ma valise? Oui, sors. C'est comme ça, on n'avait pas de problème, tu me fais sortir de la maison. Tu n'es pas ma femme, je ne te connais pas. Ma mère va m'amener une femme ici-là. Donc sors. Non. Sors. Moi, je ne vais nulle part. Maman dit, je ne vais pas ici. Je ne vais nulle part, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas. Non. Non, laisse pas ma mère, hey, s'il te plaît. Maman, hey. Laisse la valise. Tu me connais, non? Tu me connais, non? C'est parce qu'elle est là. Parce qu'elle est là, tu me connais, non? Sors. Calme-toi. Je suis calme, elle sort. Pardon. Sors. S'il te plaît, calme-toi d'abord. Ne touche pas. Ne touche pas. Pardon, maman, s'il te plaît. Sors. Je compte jusqu'à 5. Ma mère, tu vois, moi, je ne comprends pas le problème. On est là depuis, on est ici tranquille. On n'a pas de problème, tout se passe bien. Je l'aime, je suis amoureuse de lui. Il décide maintenant que je vois comment. Tout ne se passe pas bien. Regarde comment. Mais moi, je vois, tu es encore pire. Regarde comment tu es pauvre. Ne me touche pas. Sors. On se calme, maman, s'il te plaît. Mon maman. Papa, il m'a même pas dit que tu allais arriver. Sinon, je te préparais quelque chose. La nourriture d'hier est finie. Tu prends quand même la bière, non? Ne prends pas la bière. Elle t'a dit qu'elle n'a pas soif.
Elle n'a pas soif. Son père était comme ça. C'est comme ça que moi j'ai souffert avec son père. Maintenant tu as la bouche fermée, tu ne parles plus. Tu viens, tu racontes des histoires sur la fille de Trouille. Je trouve ça normal.
veux quoi même? Tu peux me dire. Thank you.